So of course we could not come to Surf Guest House and not meet some local surfers and really break down what it means to have a surf culture here in Haiti. I have Samuel in the house. What's up, Samuel? And then Marco. Marco's here with us, right? Two local surfers. Again, it's, you know, Jacmel has a very large club of surfers, local Haitian surfers, and also folks who come in from everywhere to surf. Now, of course, there won't be any fresh shots of Samuel hitting the water, but trust me, there's plenty of footage we'll have for you of him doing his thing, right? But Samuel, So, moi c'est Samuel Jules, son monsieur surfer haïtien, c'est le premier surfer haïtien. Puis, lui c'est Marco tout, il m'a présenté. Nous faisons environ 2-3 compétitions. 2-3 compétitions. Et 2-3 compétitions, nous avons participé dans tour en République Dominicaine. Mais malgré nous toujours la mettre ici, nous avons fait comme ça. Mais quand même, nous essayons d'entrer dans la mer, ils ont un bel geste, ils étaient bien accueillis, nous avons fait comme ça. Mais la compétition nous fait Haïti, pas de mal passé. Moi c'est, on a fait un peu de popularité, un peu. On est haïtien comme si on va vraiment, c'est mon sport vraiment pratiqué parce qu'on est haïtien. On a dit, ensemble haïtien, on a quand même peut-être, on veut qu'on nage, on va comme ça. Mais à partir de ça, on a comme si on était plus toléré par ça. Donc, on a fait une compétition, même si quelqu'un était plus aidé, un peu haïtien, pas de comme ça, il est venu apprendre ça. En plus, l'autre étranger, tu ne peux pas considérer qu'on va comme ça, il est venu. Mais quand même, on ne peut pas te mal passer là. Mais surfing, est-ce que c'est... Mais depuis qu'il est commencé comme culture dans le Japon, c'est des années ou c'est pas commencé? Donc, c'est pas que tu commences depuis l'espace 2010, mais c'est pas que tu vas vraiment, commencer 2010 là. Parce que tu es un Américain qui est venu de Ken Pierce, mon docteur lié, Ken Pierce. Et puis il est venu avec une quantité blanche, et puis moi-même, j'ai commencé depuis en avant. Déjà, on était au monde comme si on était en planche. On était encore petit, on était tout le travail pour lui. Tout ça, on était faire un coup de fer pour qu'il ait une planche. Parce que son bail était depuis longtemps. Et puis, les gens qui ont croisé avec moi, ils demandé est-ce qu'ils m'ont observé. Ils m'ont dit oui, ils m'ont campé. Ils dit non. Ils m'ont dit qu'ils m'ont pris la moto. Ils m'ont campé vraiment. Après, ils applaudissent. Et puis, ils étaient d'accord avec moi, n'importe qui m'a prêté une planche. Ils m'ont prêté, comme ça, l'autre monde intéressé. Et puis, ils m'ont prêté, comme ça, tout. Ils ont une vision, ils ont formé un groupe avec nous, ils ne savent pas. Mais son bail était commencé depuis 2010. Et en plus, nous connaissons Surf Guest House. Est-ce qu'il fonctionne comme un centre pour surfer et Surf Guest House côté de là? Bon, Surf Guest House, bon, je dis le centre là vraiment. Mais auparavant, nous étions plus comme si nous étions plus collés avec les Surf Guest House. Oui. Malgré nous toujours avec eux, mais comme si nous tiens, on est comme si nous ne pas entrer pas vraiment des touristes là. Oui. Bah, ils tiennent fret. Et ça te fait me dire comme si nous tiens comme si ils nous pas fait gain. À faute, nous ne pas faire en haut. J'avais dit tout, si Mounio là était intéressé pour faire un coup de pied dans Gloire, pour le Jacmel, parce que y a des gens qui ont contacté et qui ont accueilli. Ouais, ça c'est un service que nous avons offert Mounio. Comme c'est venu à Haïti, ils ont contacté nous, et puis nous avons fait surfé, comme si fait tout le trip avec nous, comme nous. Des fois, il y a des gens qui viennent qui ont besoin d'enjoy, comme si nous ne pouvons pas même faire un programme avec nous. Marco! Et vous-même, vous me dites tout bas, on parle sur qui j'ai commencé, et finalement tout, et qui ça arrive là, qui vous voulez aller avec par exemple. Là, je suis parti à Guadeloupe, de l'autre côté. Guadeloupe, oui, je suis mieux, je suis fait ça. Mais comme histoire avant, qui j'ai commencé, même j'ai entendu Marco, c'est avec un monsieur Kenan qui était à cadre, ou est-ce que pourquoi vous êtes? Bon, c'est sûr. Juste, et pendant que vous avez joué au football sur la place là, c'est parce qu'à Bigla, on a croisé avec le père, on a demandé de prendre nos cloches. On a été juste prêté nos cloches, on a allé dans le bloc, on a commencé à ramener, on a arrivé à camper, on a demandé de nous faire. Et nous, c'était d'arriver à quitter, nous, on a nous-mêmes nous. Et
et nous formons pour pas nous dans ce pays. Et nous avons associé avec ce pays qui est ça aussi pour nous faire un peu de frappe. Ok. Bon bye, bon bye. Merci, Marco. So, ça veut dire que je vais quitter le contact Samuel Pamba. I'm gonna leave Samuel's contact information below for you guys. Not keep a track with the crew y'all. And Samuel will work with you guys. He'll work with you guys. And then don't be fooled. Samuel has enough English. Right? No worry. My English is not good. His English is solid. Don't let his timidness fool you. And he'll take care of you however you wanna communicate with him. And Samuel, listen, merci à vous. Merci tout. Marco. Yeah. Bye-bye. Yes.